Mais Sakura, c'est Rosalys. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizon. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous mets ma playlist Animal Crossing dans une fiche dans le petit i ainsi que dans la barre de description. Dans la barre de description, il y a également mon code onirique pour visiter mon île en rêve. D'ailleurs, je visite l'île de mes abonnés, alors abonnez-vous à ma chaîne. Et c'est nouveau, en plus de tout ça, bonus, vous pouvez devenir membre du fan club Sakura. Ça permet de me soutenir et de jouer ensemble. Pour ça, il y a le nouveau bouton rejoindre ou le lien dans la barre de description. C'est parti pour les épisode d'aujourd'hui. Marie, tu vois un petit thé glacé, il commence à faire froid là. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce mercredi 7 octobre 2020, il est actuellement 9h24 sur notre belle Rosalina. Je ne crois pas avoir de nouvelles à vous annoncer, mais donnez-moi une petite seconde. Non, rien du tout. Alors j'espère que vous avez bien profité de la première moitié de la semaine et qu'il vous reste plein d'énergie pour la terminer sur les chapeaux de roue. C'était Marie, à très bientôt. On a notre nouvelle petite routine Halloween et d'ailleurs grâce à vous, j'ai le costume complet. Mais avant ça, je voudrais lire certains de vos commentaires sur ma vidéo d'hier. Donc pour ça, on va aller se placer à mon potager de citrouilles. Parce que c'est exactement de quoi il s'agit. Ouh ! On va se mettre pile là où il y a déjà des citrouilles. Ouh ! Trop cool ! Attends, même, je vais m'asseoir. Bon, comme ça, on a la totale. Ok, alors... commentaire de Kira pour les citrouilles, après leur première pousse, elles poussent en 2 jours et non 4. Effectivement, parce que ma première récolte, elle a eu lieu dimanche, là dans mon champ. Alors ça, eux, c'est ma première récolte, hein. Effectivement, ça a pris 4 jours. Par contre, eux, j'ai récolté dimanche, et dès l'épisode du mardi, il y avait déjà des citrouilles. D'ailleurs, ça m'avait étonné, j'étais « Hein ?» Ok. Ensuite, commentaire, Stéphie, si tu n'arroses pas, c'est une citrouille. Arroser une fois, c'est 2 citrouilles. Arroser 2 fois, c'est 3 citrouilles. Donc, bah, c'est bien. Du coup, ça explique tout à fait. Quoique, attends. Normalement, il y en avait un ici, là, devant Ramsès, que j'avais pas arrosé. Et ça m'a donné 3 citrouilles. Attends, on va vérifier. Si ça se trouve, c'est juste un design. J'observe qu'il y a un objet qui est abandonné par terre. Ensuite... salut, pense à replanter tes citrouilles jaunes car elles repoussent toujours de la même couleur et au moins tu auras plus de jaune. Alors, c'est là que je me dis, ah bon? C'est-à-dire, je récolte et je peux replanter derrière, c'est ce que tu veux dire? Et si c'est ça, c'est génial. Parce que, effectivement, dans ce cas-là, attends, 3 citrouilles jaunes, ça veut dire, genre, je sais pas, moi, je remplace une orange. J'aurais peut-être dû la récolter avant. Attends, citrouille orange mûre, c'est marrant ce que ça donne. Attends, je récolte. Toc. Et je replante une jaune. En plantée. Oh ! Oh, merci pour la découverte du coup. Attends, si jamais je prends ça pour voir qu'est-ce qu'il y a de marqué. Germe citrouille jaune S. Oh ! Oh ! Mais c'est trop génial ! Du coup, ça veut dire toutes les couleurs qui me manquent. Et limite, je peux faire un truc genre, je ne replante qu'un coin jaune, là. Si je fais que je manquerai plus de jaune. Bon, quoique là, j'en ai déjà pas mal. Oh non, on m'appelle! Alors, ce n'est pas tout. J'avais un autre commentaire à lire. Attends, je déplace, je fais toujours ça, moi. Toc, toc. Alors, attends, je replante. Germe citrouille jaune M. Ah oui, d'accord, ça c'est M. C'était déjà une jaune. Donc je replante juste 2 jaunes. Et ce sera déjà pas mal, hein. Puisque c'est juste pour pouvoir personnaliser. Oh non! Là! Toc! Et les vertes, bah, j'ai l'impression que ça va. Vert et jaune, il y en a plusieurs, sachant que dans le champ, il y en a aussi. Bon, voilà. Du coup, oh, trop génial! Et j'avais un autre commentaire sur ma vidéo d'hier, mais celle de 18h. Celle qui m'a valu d'avoir mal au pouce. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, ça va beaucoup mieux. Yuki, Rosalys, tu es incroyable, quelle énergie! Si tu étais prof de fitness, je me mettrais au sport. Et Morgane qui s'invite, c'est trop sympa, vous êtes vraiment super chou tous les deux, merci pour cette vidéo, ça fait du bien. Ah, ça me fait plaisir, hein. C'est mon challenge hand clap d'une demi-heure. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y ait des personnes qui soient ouvertes pour apprécier aussi d'autres types de vidéos.
Parce que bien sûr, déjà, je fais Animal Crossing tous les jours et c'est du boulot. Mais du coup, moi, j'aime aussi que vous appréciez mes autres passions. Ma chaîne aussi, c'est toutes mes passions. Animal Crossing, entre autres, mais aussi le fitness, des vidéos bonne humeur, des vidéos de chronique manga. Voilà. Bon, du coup, finalement, vous avez remarqué que j'ai changé d'avis, j'ai replanté quelques blanches. Attends, faut que je ramasse et ensuite je replante. Implanter. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire du coup de des germes que tu as? Alors, je sais pas. Je vais les revendre peut-être. Je suis sûre que ça vaut pas grand-chose. Et j'ai vu aussi dans les commentaires que certains d'entre vous les plantaient devant chez les habitants. Je trouve que l'idée est plutôt rigolote, alors peut-être que je vais faire ça aussi. Alors, du coup, on commence la journée avec pas mal de citrouilles en poche. Hein. Je crois qu'on va pouvoir faire des constructions. En fait, c'est marrant quand je suis sur ce plan-là et que je ramasse. En fait, qu'on ne voit même pas ma tête. Mais avec l'espèce de tourbillon qu'il y a de créé par le chapeau, c'est drôle. Voilà, on va aussi ramasser l'objet perdu. Ne pas oublier aussi de repérer quel est le NPC aujourd'hui. Je pense qu'il faut que j'aille me vider les poches. Attendez, regardez. Ça remplit presque tout. Tant à faire. Je taperai mes cailloux. Objet perdu. Tu as trouvé un objet perdu, tu devrais chercher qui peut avoir laissé tomber cet objet. Alors, inspecter. Oh, quelqu'un laisse tomber ça. C'est tout. Très bien. Bon alors, on va aller faire notre début de routine. Qui est commencer par la boutique de vêtements. Pour tout ce qui est Halloween. Alors, c'est parti. Le courrier aussi. Ouh, quoique devant la boutique, ça devrait être pas mal. Hein. Genre, attends, est-ce qu'il y a la place? Tu considères que je peux planter, là? Ok, bah, je t'en mets un orange. Oh, c'est marrant. Attends, et ici aussi, je peux planter? Oh, oh. Marrant. Et là? Ah ouais, non, là tu peux pas. C'est embêtant. Bon, allez, on va commencer par la boutique. Juste histoire de. J'aimerais bien les chapeaux animaux en oreilles de chat. Ah bon, bah ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a quelque chose que tu veux essayer? Je veux dire, il y a un truc bizarre au menton, mais c'est peut-être une barbe. Bon, alors blouse enfant, maillot de foot, surveste, veste en jean, vas-y, vas-y, rétro, robe à ruban, tenue de magicien, peut-être qu'on peut considérer que c'est pour, tenue en haillon, et après tu fais, Frida, je pense que c'est pour Halloween ça, par contre c'est trop pas mon style, chapeau de ville, chapeau de bouffon. Ça aussi, c'est pour Halloween. C'est trop avancé aussi. Même si on peut presque dire que ça fait des oreilles de lapin. Non, j'aime pas trop. Alors, il y a le truc bizarre, là. Collier de barbe. Oh. Faut regarder aussi les collants, parce que, bah, il y a le collant que j'ai eu par un membre du fan club Sakura. Oh là là, j'hallucine, il n'y a rien aujourd'hui. Enfin si, sauf si on considère que tenue magicien et tenue haillon fait partie du truc. Non. Et j'aime autant que moi et mes habitants soient habillés dans des jolies petites tenues mignonnes, quoi. Non, juste pour regarder ce que ça donne, là. Ok. Merci de ta visite, à bientôt, j'espère. Ok, maintenant on va aller acheter le bonbon. Le bonbon du jour. Tudududu.
En fait, j'hésite à acheter quand même parce que je pense que c'est pas si cher que ça. Oh, 22 000 couchettes. Si, c'est quand même un peu cher. Parce que je me disais, ça économise quelques citrouilles des fois d'acheter, de ne pas acheter et de fabriquer, de dire de pas le fabriquer et de l'acheter. Et finalement, la table, elle vaut cher. Limite après, tu vois, une fois que l'événement Halloween est passé, s'il me reste des matériaux, enfin, s'il me reste plein de citrouilles, je fabrique une table Halloween et je la revends, quoi. C'est le bon truc. Ok. Bah, je vais revendre quelques petits trucs. Quelques pousses. Les germes. Le reste, je garde. Ah, j'ai gardé ça. Parce que hier, j'avais pas eu le temps de mettre la musique qu'on m'a offert. Donc, je vais faire 400 clochettes. Oui, bah, ça vaut trop pas le coup, hein. C'est juste pour me débarrasser. Ok, bon, bah, pour Halloween, voilà. Après, si, faire le tour des habitants pour voir si quelqu'un aurait pas une recette Halloween à me donner. Sur la plage, j'ai toujours l'impression que c'est autre chose. Toc, toc. Alors là, on sait chez qui c'est, vu que j'ai posé un petit animal en carton. Donc, je lui ai offert aussi la coiffe. Là, vous pouvez voir. Donc, du coup, c'est trop marrant, quoi. Les oreilles de lapin sont à l'intérieur de la coiffe. Je la trouve trop mignonne comme ça. Et tu t'es pointée finalement, Miss Sakura? J'ai ramassé ça. T'as trouvé quelque chose? Fais voir, Miss Sakura. Toc, toc, toc. Hey, mais c'est mon sac! Oh! Je suis tombée direct sur elle, quoi. Je l'ai cherché partout. Ah, nickel, t'as assuré? Quelle chance! Je crois que t'as bien mérité une veste matelassée. J'espère que ça te plaît. Trop marrante. En fait, j'étais venue pour voir si tu fabriquais quelque chose, mais tant mieux. Ok, alors les autres maisons. Ils sont partis en promenade. Maggie. Toc toc. Je la pousse en rentrant. Et on n'a pas croisé le NPC. Tu te prépares à faire ton yoga? J'aime trop la musique qu'il y a chez elle. Sakuralis! C'est le nouveau truc que je lui ai mis. T'es ici chez toi, tu sais. Tu racontes quoi? Laurence, c'est ça le nom de ta copine? Et tu dis qu'elle habite à Belle-Île? Quoi? Je sais ce que ça fait. Je sais que ça fait une troc entre ici et là-bas, mais j'espère qu'elle repassera dans le coin. Peut-être pour Halloween. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un live samedi à partir de 10h30 pour le tournoi de pêche, le dernier tournoi de pêche de la saison. Ah, c'est lui qui fabrique. Oui, sa salle de sport. En fait, je la trouve bien, sa salle de sport, sauf le petit bordel qu'il y a là, là. C'est trop marrant quand il bouge la queue, sachant qu'il a le bout de queue en bleu. Attends, on va placer la caméra de sorte qu'on le voit un peu. Waouh, c'était une séance d'exercice intense pour ma créativité. Alors, comment penses-tu? C'est quoi au juste? Câlin. Ah, tu vas être épaté. J'ai fabriqué un heurtoir en bambou. Oh non, je connais déjà. Oh, attends, quand est-ce que t'as appris à bricoler un heurtoir en bambou? Je me souviens plus. Je vois, continue à faire la tête. Travailler ta tête. Ok, oui, je partagerai à quelqu'un d'autre. Tiens, d'ailleurs, ça avait vibré puisque j'avais des miles. Oh! Dis bonjour. Chez Nook Inc., l'entente des résidents nous tient à cœur. D'où notre programme en coucouragement qui permet d'obtenir des miles en parlant à ses voisins. Glisser un bonjour à chacun tous les jours. Ouh! Chouchoute ultra populaire. Ok. Et je me refais des miles au fur et à mesure. Hein. Sachant que la dernière chasse à l'habitant. Non, pas la dernière. L'avant-dernière fois que je l'ai fait, ça avait consommé
vraiment beaucoup de miles. Ok, donc on a ça. Juste regarder si ce serait pas Runar aujourd'hui. Non, ce n'est pas Runar. On va faire le tour de l'île et puis peut-être qu'on va tomber sur le NPC. Le tour de la plage, je veux dire. Pour tomber à la fois sur la recette du jour de la mer et des fois qu'il y aurait un tel. J'ai jamais d'étoiles filantes en ce moment. J'allume un tout petit peu. Hier, j'ai allumé un peu pour voir. J'ai attendu, mais pas d'étoiles. Ok. Je pensais que j'allais ramasser. Alors, message en bouteille. Bravo, tu as trouvé le trésor. Paillettes et laser, truffa. Tabouret, bloc de bois. Je crois que c'est pareil, je connais déjà. Non ! Bon ben, ça fait des recettes à mettre par terre. Faudra vraiment pas hésiter à les ramasser. Ah bah c'est Blaze ! Oh, trop cool ! Est-ce que je vais avoir les petites ailes de Diablotin ? Donc, du coup, je continue à faire le tour, là, comme ça. Ok. Salut l'ami, fais-toi plaisir, regarde autant que tu veux, le lèche-vitrine, ça ne fait pas de mal au portefeuille. L'interdiction de lécher la marchandise. Paire de chaussons animales. Sandales kimono. Sacoche de voyage. Oh, les petites ailes de Diablotin. Attends, je prends les deux couleurs. Il n'y a que deux couleurs. Wow. Attends, je prends tout. Et genre, je peux le porter, mais direct là, en orange, c'est parfait. La paire d'ailes de Diablotin, je te vends ça pour la modique somme de 1000 cochettes. Pas cher en plus. C'est bon pour toi. J'achète. Ça marche. Oh, ouh. Attends, mais en rose, je peux l'offrir à plusieurs personnages en plus. C'est toujours un plaisir, tu as autre chose? Attends, je la rachète en orange aussi. Ça marche. Oh, je crois que je vais remplir mes poches. Je vais pas avoir cette place. Alors, en rose. J'achète. Il m'en faut au moins, je sais pas, genre 4. Et peut-être un cinquième pour moi aussi. Et à chaque fois, j'achète pour mes personnages et joue pour mes résidents, je veux dire. J'oublie d'en acheter pour moi. Après, j'en ai plus. Genre, je vais voir, je me dis, ah, j'aimerais bien m'habiller comme ça. Ah, bah, je peux pas. Genre, mes habitants s'habillent comme ça, mais pas moi. Ouh, c'est nul. Bon, alors là, j'en ai acheté deux. C'est ma troisième. J'achète. Allez. Une quatrième. Et c'est rare que je lui achète autant de choses. Hein. C'est marrant qu'il considère que ce soit un sac, les ailes. Allez, une dernière rose. Et non, je pourrais offrir direct à Marina. Sauf que j'aimerais bien emballer avant. Faut qu'elle reste là. Hein. Et par contre, la paire de chaussures animales, je l'aurais bien prise, mais pas en bleu. À moins que je puisse la personnaliser. Attends, je vais quand même l'acheter alors. Paire de chaussons animales, 1200. C'est bon pour moi. Non, Marina s'en va. Tu pourrais nous faire un petit concert? Ah bah c'est bien, on a bien rentabilisé la venue de Blaze chez moi. Tiens. C'est juste parce que j'ai acheté? Ouais, chance. Je ne pense pas avoir d'autres cartes de fidélité de remplies. Non. Ok. Bon, je pense qu'il faut impérativement se vider les poches. Je vais aussi regarder le courrier. Attends, mais j'ai les poches trop remplies. J'ai essayé de vider un peu mon inventaire hier parce que j'avais trop de choses. Oh, il y a Marina qui m'a écrit. Je vais regarder votre courrier. Hein. D'ailleurs, j'ai changé des choses chez moi. Genre, vous m'aviez offert un mur. Je l'ai posé, là. Le mur salon de Tézen. Voilà, je l'ai posé. Alors, paire d'ailes de Diablotin. Déjà, je vais porter l'orange. Attends.
faudrait qu'on voit quand même. Oh, avec mes cheveux, on voit pas trop. Oh, bah, dans ce cas-là, je vais changer ma coupe de cheveux. Je vais me les attacher comme là. En fait, je trouve qu'il manque quand même des coupes de cheveux. Genre, si tu veux faire Elsa, une tresse sur le côté, tu peux pas. Ou comme moi, justement, une couette, pas deux. Oh, attends. Considère-t-on que c'est une couette sur le côté. Parce que ça, c'est bien, mais... Remarque. Peut-être que ça ira, ouais. Au moins, c'est la coupe de cheveux que j'avais quand j'ai fait ma vidéo sportive hier. Ah ouais, là, on voit bien les petites ailes. Alors. Donc, je voulais vider mes poches. Peut-être que j'ai passé par... ma nouvelle petite pièce. Parce que, regardez, je vais vous montrer cet endroit-là. Ça va vous faire un choc. Ta-da-da-da ! Y a plus rien sur les murs. Mais oui, je vais vous montrer après pourquoi. On va, comme prévu, se vider les poches. Oh, quoique, j'aurais pu fabriquer des trucs. Hein. Attends, je pense que je vais d'abord vider les poches. Éventuellement, en fin de vidéo, je fabriquerai quelque chose. En fait, j'aimerais bien, tant qu'à faire, fabriquer quelque chose de nouveau, pas quelque chose que je possède déjà. Mais on va voir si j'ai de la chance. Au pire, ce sera le prochain épisode, parce que dis donc, hier, j'ai pas vu le temps passer, j'ai fait un épisode d'une heure. Pour rappel, mon objectif, c'est plutôt 20 minutes. Hein. Ah, je me suis fabriqué des appâts, là, en prévision de... du tournoi de pêche. Qu'est-ce que c'est long à faire. Ok, j'entrepose ça. Alors, j'avais dit que la petite musique, je voulais la mettre. Une nouvelle petite musique. Bubblegum. Si je ne l'ai pas déjà, d'ailleurs. Tiens, c'est une vraie question. Ah ouais, je l'avais pas. Oh. Eh, hey, j'adore. C'est la petite musique que j'aime bien chez Sylvette. Oh, merci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je voulais prendre des papiers cadeaux. Emballage pour offrir à mes habitants. Bah, surtout du papier cadeau rose. Sauf que j'ai plus de papier cadeau rose. J'ai surtout du rouge. Donc, je vais prendre mon dernier rose et puis du rouge. Et un jaune. Voilà. Ah, j'aime trop cette musique. Elle est trop marrante. Alors, du coup, on va pouvoir offrir ça. On va guetter les ballons parce que je pense que ce sera par le ciel que j'aurai des nouvelles recettes. Et on va ouvrir le courrier aussi. Alors, attends. Si on retrouve Marina, j'aimerais bien lui offrir. Elle est là. Alors, attends. Je crois que le premier ici, là, ça doit être un orange. Attends, on va juste vérifier. Placer. Oui, c'est ça. Dans le orange, on le laisse de côté, ça sera tous les autres. Ouais, j'ai pas pensé à me reprendre une pelle, tiens. Alors, emballer. Perdait le diablotin. Je sais pas si elle va le porter direct. Hein. Ça te ferait plaisir, Marina. C'est pour moi, vraiment. Cadeau. Je peux l'ouvrir tout de suite? Quoi? Tu veux me donner une paire d'ailes diablotin? Je te remercie, mais ce n'est pas vraiment mon style. Quoi? Oh! C'est tout de même un très beau cadeau, merci encore. En guise de remerciement, voici une robe anifole. Alors, vous n'avez pas fait la fine bouche sur les tenues, mais alors les sacs? Attends, mais du coup, c'est quel type? Pourquoi est-ce qu'elle a pas aimé? Bon, bah, pour le coup, je vais peut-être m'abstenir pour les autres. On va jeter un petit coup d'œil par là, des fois qu'il y a un ballon. Par la gauche ou par la droite, là. Attends, on voit le sens du vent. Si ça suit le sens du vent, tu vois que t'as les nuages qui arrivent par la gauche.
dans ce cas-là, les ballons viendraient de la gauche. Bon, sauf qu'une fois, j'ai l'impression que ça n'avait pas trop marché. Hein. Allez, le jeu, envoie-moi un ballon du ciel. Bon, pendant qu'on espère qu'il nous envoie un ballon, je vais ouvrir le courrier. Ok, on va commencer dans l'ordre. Ezio, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Deux cadeaux. T'es Rosalise, bisous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Cadeau, ouvrir. Planche de surf. Planche de surf, deux planches de surf. Attends, je crois qu'il n'y a plus d'endroit où je mets des planches de surf. Je vais mettre ça sur la plage. Ouh. Parce qu'à un moment donné, je l'ai placé sur la plage en bas. Et à un moment donné, j'ai tout enlevé parce que... Pourquoi j'ai tout enlevé? Je crois que c'était pour... Ça devait être pour avoir les scarabées. Oh, j'adore celui-là avec les hibiscus roses. Et je ne l'avais pas. Attends, si je mets ça, on ne peut plus passer. Rouge. Ah si, on peut, mais un peu difficilement. Oh bon, on longe par là. Hein. Cool, merci. Et vous repérez bien les objets que je n'ai pas. Hein. Ça fait plaisir. D'ailleurs, mes membres du fan club Sakula, n'hésitez pas à me dire s'il y a des objets que vous voulez. Alors voilà pour toi, gros bisous de la part de Zoé. Merci. Parce que du coup, je sais trop pas quoi vous offrir. Marina, vive le partage, Rosalie. Je m'amusais à faire du rangement ce week-end et j'ai mis au jour une belle trouvaille. J'ai mis au jour. Elle apportera peut-être un nouvel éclairage à ton intérieur et sinon, désolé de ne pas être une lumière. La radieuse Marina. Oh, c'est mignon. On va découvrir les deux cadeaux en même temps. Alors, d'abord Pepsinette. Oh, paire d'ailes de diablotin. C'est comme si tu avais vu l'avenir. C'est une orange que tu m'as donnée. C'est trop drôle. Lampion. Alors, quel genre de lampion? Est-ce que c'est un lampion spécial? Ah, c'est un lampion comme ça, d'accord. Très bien, très bien. Des méthanes. Kello, kello. Là, tout est mystérieux. Ok. Ouvrir. Papa ours. Fauteuil baseball nostalgie. Coiffeuse Mimi. Mince. Ah, j'ai failli faire la... Ouvrir. Plaque. Blason. Attends, la plaque, je peux la poser là. Décorer la porte. Oh, il y a déjà une décoration. J'enlève. Oh, tu sais, ça fait très chevalier de la table ronde. En argent. Je voulais vous montrer une pièce. J'ai commencé à la redécorer. Par rapport à tout ce que je vous disais. Tada! Eh oui, tous les posters sont arrivés ici. Attends, je vous la montre comme ça. Donc j'ai vraiment tout rempli de bas en haut. Donc ici, là, t'as tous les chats. Ah! T'as tous les chats. Il y a le bout d'escalier qui nous embête. Lapin. Les trois poulpes. Cochons. Écureuil, là il y en a plein, dont Mathéo. Et puis après j'ai mis un peu au pif. Hein. Voilà, là j'ai commencé à remplir aussi. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre. Ici j'ai mis les sportifs. Là, les deux chinoises. Voilà, il reste un pan de mur entier. Hein. Et là, bah, j'ai commencé à mettre. Voilà donc le projet.
pour le coup, j'ai un peu bougé les meubles au milieu de la pièce, ça ressemble plus à rien. Mais je pense qu'il faudrait tout enlever hein, pour privilégier poster. Voilà, voilà le projet. Alors du coup, on va peut-être poser les meubles de Déméthane quelque part. Attends, je sais pas en fait à quel dessin, donc on va peut-être les mettre dans la pièce que j'ai vidée, qui anciennement était la pièce à poster. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de déco définie. Soit ça peut redevenir une pièce à pêche, soit ça peut devenir tout à fait autre chose. Alors, papa ours. Ouh ! Grand papa ours vert. Placé. Ouh ! Peut-être tu me fais une thématique en vert. Coiffeuse Mimi. Oh ! Une coiffeuse Mimi bleue. Bleu ciel, hein, c'est pas le même bleu que là. Et couronne coquillage. Attends. Ah, c'était chez moi qu'il y a une couronne coquillage. Donc voilà. Bon, bah, il faut que je refasse un petit peu la déco ici. Hein. On va se remettre dehors des fois qu'il y a un ballon qui apparaisse. Un peu vers la plage. J'aime bien voir arriver les ballons dès qu'ils approchent l'île. Si jamais c'est bien de ce côté. Si jamais c'est bien par ce côté que ça arrive. Attends, on va se mettre ici. Comme ça, ok. Voilà, mais ça coule, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Let's Play quotidien. Bye bye. Ça aurait été bien qu'un ballon apparaisse là, genre au moment où je dis bye bye. Mais non. Oh, courbature.